Grand est notre plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Ce journal part du palais de la Nation où l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grand Lac a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les priorités de la MONUSCO en rapport avec la situation sécuritaire dans l'est de la RDC étaient évoquées au cours de ces échanges. Reportage Pierre Kibambe-Somoïsa. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo est très inquiétante. Elle requiert une coopération régionale des différentes parties appelées à travailler étroitement pour assurer la paix et la sécurité dans cette partie du territoire national et dans les Grands Lacs. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exprimé ses préoccupations à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grand Lac, Wang Xia. Nous avons suivi avec une très grande attention le discours du président devant la dernière assemblée générale, discours qui nous a permis de mieux comprendre sa vision sur la RDC et la région. Et donc la réunion est l'occasion pour moi, pour ma collègue, d'écouter le président pour voir comment les Nations Unies pourront mieux travailler avec la RDC dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et aussi de la stratégie régionale des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Et donc, nous avons bien retenu les analyses du président et les priorités qu'il a identifiées. Le président attend une collaboration plus étroite entre d'un côté la RDC et les autres pays clés de la région des Grands Lacs. Et dans ce travail de collaboration, il a une forte attente vis-à-vis des organisations panafricaines, sous-régionales. Comme vous le savez, parmi les institutions 40 de l'accord cadre, il y a la SADC, la CRGL, l'Union africaine. Il a aussi une forte attente vis-à-vis des acteurs, des autres acteurs, les Nations Unies, le reste de la communauté internationale. Et donc nous avons tenu à rassurer Monsieur le Président pour dire que nous sommes là pour travailler plus étroitement avec les autorités de la RDC. Accompagné par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, il a indiqué que cette entrevue intervenant à la fin de l'année en cours, a permis d'identifier les priorités pour l'an 2022. Le chef d'état-major des FARDC, le général Mbala Moussense, a rencontré dernièrement le chef d'état-major des forces de défense rwandaises, le général Bosco Kazura, lors de son escale à Kigali. Leurs échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire de la région et la lutte contre les groupes terroristes. Jujondibou. La situation sécuritaire dans la région et la lutte contre les terrorismes au centre des discussions entre le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Mbala Moussense et son collègue du Rwanda, Jean Bosco Karuza, à Kigali, au Rwanda. Ces discussions ont tourné autour des questions sécuritaires de la région et de lutte contre les groupes armés. Le général Mbala Moussense et son collègue rwandais, Jean Bosco Karuza, ont pris l'engagement d'œuvrer ardemment pour la restauration de la paix dans les frontières communes et l'éradication des groupes rebelles qui déciment les vies humaines sans un moindre remords. Outre cette planification, cette préparation contre le mal du terrorisme, nous avons fait aussi le tour d'horizon de la situation qui se passe le long de nos frontières pour mutualiser les efforts et empêcher que les forces négatives ne puissent déranger nos propres frontières pour l'intérêt commun et conformément aux vœux de nos chefs d'État qui veulent que les relations entre les voisins puissent être de très bonnes relations de manière à ce qu'on favorise le développement de notre pays ainsi que l'amélioration des conditions de nos populations respectives.
Cette visite, elle intervient 72 heures après l'attaque du territoire des Rutshuru par les hommes armés du mouvement M23 dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 novembre 2021 dernier. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a eu une rencontre hier avec le caucus des députés nationaux élus du Nord Kivu et Ituri. Ensemble, ils ont fait une évaluation sur l'état de siège décrété dans ces deux provinces. Patty Tondongo. La lutte contre l'insécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, priorité des priorités du gouvernement Sama. Et la situation sécuritaire qui prévaut dans le Nord Kivu et en Ituri, deux provinces sous état de siège, a été passée en revue lors de la rencontre que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a eue avec les caucus des députés de ces deux provinces. Réunion élargie au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et au ministre de la Défense. À l'immeuble du gouvernement, ce jeudi 11 novembre 2021, le chef de l'exécutif national a voulu recueillir les préoccupations de ses élus pour trouver des solutions durables à cet épineux problème de l'insécurité qui perturbe la paix des paisibles citoyens. Vous savez, il y a eu une commission de la défense et sécurité qui avait travaillé sur les différentes recommandations. Nous osons croire aux paroles du Premier ministre, qui est le chef du gouvernement. Nous croyons à lui parce que c'est lui qui a le bâton de commandement du gouvernement de la République. Pour sa part, la députée nationale Jeannette Kavira a plaidé pour l'évaluation régulière de l'état des sièges. Nous avons recommandé que le gouvernement puisse songer à la mutualisation des efforts avec les pays amis. Il était réceptif. Il a dit que les revendications, les recommandations étaient légitimes et logiques. À la population de l'Ouest, c'est de rester solidaire avec la population de l'Est. Ces deux caucus appellent tous les Congolais à être solidaires à ceux de l'Est et la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République a procédé au lancement du projet Kin Elenda, représentant le président de la République. Le premier ministre a procédé à la pose de la première pierre pour la matérialisation du dit projet. Selon Jean-Michel Samalukonde, ce projet vise à renforcer les capacités des communautés ciblées, l'amélioration de la desserte en eau potable et la lutte contre les érosions. Sa reportage signé Marcel Mubenga et Patty Tondouamo. Les projets Kin Elenda en phase de matérialisation grâce au partenariat RDC, groupe Banque mondiale. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, représentant personnel du chef de l'État, a posé la pierre pour le lancement officiel du dit projet qui vise entre autres le renforcement des capacités des communautés ciblées, l'amélioration de la desserte en eau et la lutte contre les érosions. La population, qu'elle soit rassurée que son excellence, monsieur le président de la République, est très soucieux justement de sa condition sociale. Et nous sommes venus ici ce jour, c'est pour représenter son excellence, monsieur le président de la République, au lancement justement du projet Kin Elenda. Un projet fait avec la Banque mondiale. Et de grande envergure, parce qu'une fois que le projet sera terminé, toutes les trois phases, ça sera pour au moins un tiers de la desserte en eau de la ville province de Kinshasa, avec une capacité de 330 000 m3. Et donc nous, on est très enthousiastes, très heureux d'être ici ce jour pour répondre à une question sociale qui est très attendue par la population ici à Kinshasa. Pour les ministres de l'urbanisme et Habitat Plus Moabilou, les Kinois doivent s'approprier de ces projets créateurs d'emplois. Il a en outre rassuré le groupe Banque mondiale de l'engagement de la République démocratique du Congo à respecter les accords de financement. Discours terminé, place à la visite des travaux de l'usine de traitement d'eau de Binzaozone qui doit résoudre le problème d'approvisionnement en eau potable dans plusieurs communes de la ville province Kinshasa. À l'Assemblée nationale, une plénière a été convoquée pour examiner et voter le projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2021, présenté en équilibre en recettes et en dépenses. Pour le gouvernement, l'avant-projet de cette loi est justifié par la nécessité de prendre en compte les évolutions intervenues en cours d'exercice budgétaire. Sylvie Moïbo.
La plénière du jeudi 11 novembre 2021 était essentiellement consacrée en grande partie à l'examen au vote de deux projets de loi, l'un portant sur le projet de loi des finances rectificatives exercice 2021, l'autre sur le projet de loi portant reddition des comptes 2020. Sous la houlette du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mosoko-Diapwanga, les deux membres du gouvernement central, à savoir Aimé Boji-Sangara, ministre d'État en charge du budget qui a présenté l'économie du texte sur le projet de loi des finances rectificatives exercice 2021, a fait savoir à la représentation nationale que, hormis la pandémie du Covid-19 qui a bousculé l'économie mondiale en RDC, la situation au premier semestre 2021 rend saine un niveau des dépenses exécutées à hauteur de 6 117,7 milliards de francs congolais contre des recettes réalisées de l'ordre de 6 919,2 milliards de francs congolais, soit un solde excédentaire de 801,6 milliards de francs congolais. Concernant la loi des finances rectificatives exercice 2021, le ministre d'État, ministre du budget, a présenté un projet en équilibre en recettes et en dépenses de l'ordre de 16 621,6 milliards de francs congolais. Quant au projet de loi portant reddition des comptes 2020 présenté par le ministre des Finances Nicolas Kazadi, il y a lieu de retenir que malgré la crise économique due au coronavirus en recettes propres pour 2019, 6 900 millions et pour 2020, 10 milliards de francs congolais. Le caractère limitatif du crédit budgétaire est revenu plusieurs fois dans l'ensemble de préoccupations des élus du peuple avec des suggestions. Après débat, le ministre d'État, ministre du budget, Aimé Boji, ainsi que le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ont sollicité et obtenu 48 heures pour leur réplique devant l'Assemblée plénière. Séance tenante, l'Assemblée nationale qui débattait sur le projet de loi des finances rectificatives exercice 2021, les élus du peuple tête de cœur avec les léopards qui jouaient à Dar es Salaam en Tanzanie face au Taifa Star. Au finish, 3-0 pour les Congolais, victoire saluée par la Chambre basse du Parlement. Nous sommes à la 87e minute déjà, honorable président, notre République mène par. Ça fait 3, donc honorable président, je ne sais pas moi demander à la plénière d'applaudir, mais peut-être vous, vous alliez le faire. Merci collègue, on applaudit les léopards. Nous applaudissons les léopards, honorable président. Il ne reste qu'à souhaiter bonne chance aux léopards face aux écureuils du Bénin le dimanche 14 novembre au Stade de Martyrs à 14h juste. Et puis la délégation de la Banque mondiale en séjour à Kinshasa a rencontré le président du Sénat, Modeste Bati Lukwebo. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment l'investissement dans le secteur des infrastructures. Edith Chala. La délégation de la Banque mondiale en séjour en République démocratique du Congo a eu une séance de travail avec le président du Sénat en présence des autres membres de son bureau, conduite par F.S. Ghanem, vice-président pour l'Afrique orientale et australe. La délégation de la Banque mondiale a présenté au président du Sénat le travail qu'abat cette institution de Bretton Woods en République démocratique du Congo. À cette occasion, Modeste Bati Lukwebo a présenté les priorités du développement de la RDC à ses interlocuteurs. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a dans sa présentation mis un accent particulier sur les développements à la base, argument soutenu par ses hôtes, qui ont apprécié à juste valeur l'intervention de Modeste Bati Lukwebo, qui a également mis un accent particulier sur les efforts fournis par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans la lutte contre la corruption. Le président du Sénat a souligné l'importance d'appuyer les différentes provinces du pays et d'assurer que les communautés locales a du contrôle et du choix de ses propres projets et de ses propres programmes de développement. Nous avons aussi parlé de l'importance des investissements dans les infrastructures, les routes pour la communication, le développement de l'agriculture, le développement de l'énergie, du secteur de l'énergie. Le chef de la délégation de la Banque mondiale s'est dit satisfait de la lutte engagée contre la corruption sous le leadership du président de la République de la RDC.
Le chef de la délégation de la Banque mondiale s'est dit satisfait de la lutte engagée contre la corruption sous le leadership du président de la République démocratique du Congo. Selon lui, la RDC est un pays riche, avec plein de ressources. La bonne gestion des finances publiques va assurer le développement et la lutte contre la pauvreté. L'assistance de la communauté internationale aux élections de 2023 en RDC, leur financement et les perspectives d'accompagnement des Nations Unies ont attiré l'attention de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, s'est entretenue hier vendredi sur ces questions avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Reportage Titi Samba. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo à la Commission électorale nationale indépendante ce vendredi 12 novembre 2021. La diplomate onusienne Bintou Keïta et le président de la centrale électorale ont focalisé leur tête-à-tête sur quelques questions d'actualité. Il s'agit, entre autres, de l'engagement des Nations Unies à travers la MONUSCO dans l'accompagnement de la CENI aux différentes échéances électorales qui pointent à l'horizon en République démocratique du Congo. Nous avons, à l'intérieur de ce processus électoral, évoqué les questions liées à la mise en place d'un cadre de concertation pour faire en sorte que toutes les voix puissent se mettre ensemble et discuter des prochaines étapes qui vont concerner la réforme de la loi électorale. Tout le monde est disposé à accompagner la CENI au mieux de différentes étapes, en sachant qu'il y aura un parcours entre maintenant et la révision des listes électorales, le recensement du fichier. Cet échange de partage et d'informations permet aux Nations Unies, notamment la MONUSCO, de se faire une idée sur la nature de l'accompagnement des Nations Unies dans l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, séjourne à Paris, en France, pour participer au Forum mondial sur la paix. Et sur place, il a rencontré la secrétaire générale de la francophonie et leurs échanges ont porté sur l'organisation des 9e Jeux de la francophonie de notre envoyé spécial, Doris Mozo. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula, est à Paris. Le chef de la diplomatie congolaise représente le chef de l'État à deux grands rendez-vous parisiens. Il s'agit du Forum mondial sur la paix et la conférence internationale sur la paix en Libye. Arrivé mercredi, Christophe Lutundula était l'hôte de Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Une rencontre en tête-à-tête élargie aux collaborateurs qui a permis aux deux personnalités de faire un tour d'horizon des préparatifs de 9e jeu de la francophonie qui se tiendront dans la capitale congolaise en août 2022. Christophe Lutundula Apala a réitéré l'engagement de son pays à organiser le jeu à Kinshasa. Un nouveau comité de pilotage de jeu vient d'être mis en place et qui va travailler avec la nouvelle direction nationale pour accélérer le travail qui vont abriter les Jeux. Le vice-premier ministre a sollicité auprès de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie une assistance technique et une équipe permanente de suivi. La République démocratique du Congo, qui a déjà mobilisé 48 millions de dollars américains pour mener à terme les travaux. Louise Mushikiwabo a promis tout son accompagnement et celui de tous les pays membres de l'organisation pour la réussite de ce rendez-vous culturel avant de saluer la détermination du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur place à Paris, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a été reçu par le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Ils ont parlé sur le forum qui va se pencher sur la paix en Libye.
La question de la paix en Libye est cruciale pour l'Afrique. Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, qui a en main le dossier, scrute tous les horizons et contacte tous les partenaires susceptibles d'être d'un quelconque apport. En marge de la conférence internationale pour la Libye, Denis Sassou Nguesso a reçu le représentant du président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi du Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Christophe Lutundula a transmis fidèlement les avis du président de la RDC. Et le président Tshisekedi m'a instruit de le représenter à cette réunion, retenu par d'autres chefs d'État, et m'a instruit aussi d'entrer en contact avec son homologue, son frère, le président Sassou, pour lui exprimer mes respects et lui dire que je le représente et pourquoi pas bénéficier aussi de ce conseil par rapport à ce dossier dont il préside la structure ad hoc de l'Union africaine, le comité de haut niveau. Défendre l'Afrique, où se passe le drame libyen, l'Afrique dont la Libye est un des membres, je crois, un des membres fondateurs. Voilà, fondateur de l'Union africaine, c'est là 100 ans. Nous défendrons la voie de l'Afrique, nous défendrons la solution africaine, parce que nous avons une règle d'or au sein de l'Union africaine, à des problèmes, à des situations, à des dossiers africains. Il faut des solutions africaines, en tout cas en priorité. Chaque fois que l'opportunité se présente avec différents partenaires, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula, la capitalise en faveur de son pays. 400 cas de rougeole déjà enregistrés et de dizaines de décès dans la province de Maniema. Cette épidémie a commencé à se développer il y a de cela 3 mois, déclaration du gouverneur intérimaire de cette province. 458 cas de rougeole déjà enregistrés depuis une dizaine de semaines dans la zone de santé de Kunda, province de Maniema, parmi lesquels plusieurs dizaines de décès. Le gouverneur intérimaire du Maniema, Afan Idriss Mangala, l'a déclaré devant la presse en précisant que sa province fait face à une épidémie dévastatrice de la rougeole, confirmée par les analyses de l'INRB à Kinshasa au 10e mois de cette année en cours. Il promet une bataille acharnée contre cette maladie. La zone de santé de Kunda, dans les territoires de Kasongo, a déjà notifié 458 cas et 17 décès dits à la rougeole. Après analyse effectuée par l'INRB sur les échantillons prélevés dans l'aire de santé de Bikenge au cours de la 42e semaine, l'épidémie a été confirmée. Eu égard à ce qui précède, nous déclarons l'épidémie de la rougeole dans la province du Maniema et sollicitons l'appui du gouvernement central, des partenaires au développement et humanitaire pour lutter efficacement contre cette épidémie. Idrissa Mangala appelle ainsi la population du Maniema à la vigilance, observer les mesures préventives contre cette maladie et courir vite dans un centre de santé le plus proche pour la consultation en cas de fièvre, éruption généralisée, toux, rhume et conjonctivite. Et puis cette bonne nouvelle, 200 000 ménages des communes de Maluku et de Ntsele retrouvent le sourire. Deux réseaux de distribution et de fourniture d'eau potable sont désormais à leur disposition. Une concrétisation de la volonté du chef de l'État. Reportage Jean-Pierre Dolodemazo. Les habitants des quartiers Kimpoko 1 et 2 dans les communes de Maluku et Ntsele ont poussé un ouf de soulagement. L'eau potable est désormais à leur disposition. Le ministre d'État au développement rural, François Rubota Masumbuko, est descendu mercredi dernier pour constater l'effectivité de cette desserte en eau potable. À Kipoko 1 et 2, en présence du ministre provincial du développement rural, Willy Pelende, et du bourgmestre de Maluku, la population a goûté à cette denrée rare, œuvre du président de la République et du gouvernement, Samalukonde. La population n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance aux autorités du pays.
Pour le numéro 1 du développement rural, le chef de l'État est déterminé à fournir de l'eau potable à l'ensemble de la population congolaise. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a confié au gouvernement de Jean-Michel Samalukonde de s'occuper du développement à la base pour rencontrer sa vision, le peuple d'abord. Il y a 2 semaines, j'étais ici pour voir le début des travaux. Maintenant, à 2 semaines, l'eau coule à Kimpoko de la partie Maluku et l'eau coule également à Kimpoko, partie Sélé. Aujourd'hui, l'eau commence à couler. La prochaine étape sera l'installation maintenant de bornes fontaines pour permettre à ce que l'approvisionnement en eau potable soit effectif. Une véritable aubaine pour cette population qui n'a pas été en contact avec l'eau potable pendant plusieurs années. Ils sont lauréats du concours du plan d'affaires COPA organisé par la Banque mondiale à travers le projet d'appui aux micro et petites moyennes entreprises. La cérémonie a été parrainée le jeudi dernier, dont la soirée, par le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, Eustache Moandi Moubembe. Reportage Mireille Ndeke, rendu par Françoise Ouellaboaké. Sur 7000 candidats au départ, seuls 960 ont atteint la ligne d'arrivée. Le jury a évalué les projets de démarrage et de croissance des jeunes entrepreneurs et porteurs des projets. Ils ont été sélectionnés à Matadi, Lubumbashi, Kinshasa et Goma. Les résultats du concours des plans d'affaires COPA ont été publiés le jeudi 11 novembre 2021. Sélection organisée grâce à la Banque mondiale à travers le projet d'appui aux micro et petites et moyennes entreprises PADEM-PME. Ces lauréats vont accroître leur business et devenir des millionnaires. Dans toutes ces villes, les jeunes entrepreneurs sélectionnés recevront, comme nous l'avons dit plus haut, une subvention et un accompagnement technique et managérial pour leur apporter le renforcement des capacités dont ils ont besoin en vue de réaliser leur projet. La hauteur du financement varie entre plus de 17 à 22 millions de dollars américains. Sentiment de fierté pour le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, Maître Eustache Mwanzi Moubembe, parrain de la cérémonie. J'ai un sentiment de fierté qui peut se justifier par l'accomplissement aujourd'hui d'une étape importante dans la réalisation du programme du gouvernement de la République, pour qui la promotion de l'entrepreneuriat, particulièrement celui des jeunes, occupe une place de choix au cœur du dispositif de la politique économique du pays. Après la publication, la prochaine étape, c'est l'ouverture des comptes. Journée de restitution des travaux des ateliers de logistique pour la réforme électorale en RDC organisée par le Centre Carter. C'était pour permettre aux parties prenantes au processus électoral en RDC de prendre connaissance des éléments pouvant faire l'objet d'amendements des textes légaux. Reportage José Baïtob. Une société civile engagée dans l'avancement du processus électoral en apportant une contribution significative dans les réformes, c'est la volonté affichée à travers une série de formations sur les techniques de logistique. Ceci pour amener les participants à proposer des amendements aux principaux textes concernés par les réformes clés, notamment la loi électorale. Après le premier et deuxième atelier, l'heure est à la restitution. Le professeur Jean-Louis et Sambo Kingacha a présenté de façon un peu plus détaillée les recommandations de ces ateliers, entre autres l'amélioration de l'écriture de textes législatifs. À l'issue de tous ces travaux, un certain nombre de recommandations ont été faites dans le sens d'améliorer l'écriture de ces textes qui existent, mais aussi de modifier un certain nombre d'autres textes en vigueur, notamment la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs, la loi électorale, la loi sur l'organisation et le fonctionnement des partis politiques, la loi sur le financement des activités politiques. Pour les députés, c'est de s'approprier l'initiative. Les éléments existent, ils peuvent endosser les initiatives législatives dans le sens d'une proposition d'évolution des lois à faire soumettre aux discussions au niveau du Parlement, s'ils sont sénateurs au niveau du Sénat, s'ils sont députés nationaux au niveau de l'Assemblée nationale. En organisant cette journée des restitutions, le programme Observation citoyenne du Centre Carter met à la disposition des acteurs concernés des éléments pouvant faire l'objet des amendements de textes légaux.
Fin de ce journal réalisé par Ramadan Poki et Mamita Bangoulou. La partie technique était assurée par Henri Alimassi, Redin Poi et Émile Zola. Merci de l'avoir suivi. Le prochain invité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojo Ndibou. Très bonne suite de programme et surtout bon week-end.